Welcome to 11A Side WSL. Sponsored by Dan Morris Denim, the real cowboy outfit. La troisième journée de 11A Side voyait Salt Lake City rencontrer Frisco United. Pas de but dans cette rencontre. Et pourtant, Keita, qui avait été étincelant lors de la dernière journée, contrôle le ballon, la reprend, malheureusement ça passe à côté, 0-0 entre les deux équipes. Boston Club Atlético Miami, malheureusement nous n'avons pas les images de cette rencontre, due à une grève du service télévisuel de Boston. En tout cas les deux équipes se sont quittées sur un partout, je vous laisse découvrir les deux buteurs de cette rencontre. El Paso recevait Cincinnati Derby. Et nous avons eu le droit à du spectacle et pourtant Cincinnati avait ouvert le score grâce à Walsh dès la sixième minute de jeu qui pouvait donner le ton de cette rencontre. Quand un très bon jeu de passe et Walsh qui va récupérer de la tête sur un superbe centre qui vient lober le gardien. On revoit encore ce très beau centre. Et Walsh qui court plus vite que le défenseur. Un but à zéro. Mais cette saison, nous avons l'impression qu'El Paso ne sera pas inquiété. Quentin Bates va égaliser 6 minutes plus tard. Encore une fois, on pensait que sa frappe était pratiquement anodine, mais Innocenti ne peut rien faire et le ballon rentre dans les filets. Un partout entre les deux équipes. Il y aura même 2 buts à 1. À la 39e minute de jeu, le buteur se nomme une nouvelle fois Quentin Bates. On prend les mêmes et on recommence. Le passeur décisif s'appelle Barreto. Il était passeur décisif lors du premier but. Regardez l'intelligence de Barreto qui ne frappe pas. Il sait que le ballon sera contré. Il va faire passer en profondeur pour Quentin Bates qui, lui, n'hésite pas à frapper. 2 buts à 1. On va encore avoir un but juste avant la mi-temps. À la 47e minute de jeu, le malheureux Ucano qui vraiment peine en ce début de saison va marquer contre son camp. La frappe qui est détournée. 3 buts à 1, score à la mi-temps. On revoit la frappe à l'entrée de la surface. Et on voit bien que Ucano détourne du dos. Et la 53e minute de jeu, triplé de Quentin Bates. Et une nouvelle fois, le malheureux Ucano va être impliqué dans ce but. Il perd le ballon et ensuite, Quentin Bates est en 1 contre 1 face à Innocenti. Il pique le ballon et ça fait 4 buts à 1. Il faudra compter sur cette équipe d'El Paso cette saison. Ils ont donné un message fort aux Urbans de New York que nous allons voir dans quelques instants. Les Urbans qui se rendaient à Pittsburgh. Il n'y aura pas de surprise, New York est beaucoup plus fort, à l'image de Nick Gibson, le Canadien, qui était à deux doigts d'ouvrir le score, son ballon passe à côté. Mais quelques minutes plus tard, Segers va ouvrir le score et on va retrouver le trio magique. Segers, De Nicolo et Lucas, et c'est Lucas qui est passeur. Pour un Segers seul dans la surface, première erreur défensive. Les joueurs de l'Adler qui laissent Segers tout seul dans la surface. Juste avant la mi-temps, c'est De Nicolo qui va marquer le deuxième but. On va avoir à peu près la même figuration que lors du premier but. Le centre, De Nicolo qui est tout seul dans la surface. Il a le temps de contrôler et de reprendre ce ballon victorieusement. 2 buts à 0, ce sera le score à la mi-temps. Pensez voir un Urbans beaucoup plus décontracté en seconde période et on n'aura pas tort. Car à la 66e minute de jeu, Santini va sûrement marquer le plus beau but de cette journée. Il va recevoir un ballon de Schroeder. Et regardez, sans contrôle, la demi-volée. Ça lobe le gardien, c'est superbe, c'est un très joli but. Ce n'est pas la première fois que Santini marque un aussi joli but. Et celui-là va faire partie sûrement des plus beaux de la saison. Score final 2 buts à 1 pour les Urbans. Le classement de cette troisième journée avec les Urbans justement qui sont toujours premiers avec 9 points. Mais attention, El Paso Fuego revient à 2 points grâce à sa superbe victoire.
Et en bas du classement, on voit que Salt Lake City, Boston, Miami et Derby n'ont toujours remporté aucune victoire. Mention spéciale tout de même au Club Atlético Miami et Cincinnati Derby qui n'ont qu'un point. Et cette troisième journée était sponsorisée par Dan Morris de Nîmes, la vraie tenue de cowboy. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle journée de Eleven Aside.